à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma. On est parti pour un épisode 7 de Trackmania Editor. Et cette fois-ci, comme son nom l'indique, Nostalgia. C'est un circuit nostalgique, je sais. Parce que c'est sur deux circuits différents. Il y a deux embranchements. Le premier embranchement s'est repris du circuit Montagne Russe, que vous voyez là. Et le deuxième embranchement, qui était à droite, c'est repris du circuit tube. Oui, mon meilleur circuit jusqu'à maintenant. Le circuit le plus original et aussi peut-être le plus long. Peut-être qu'il y a le circuit numéro 1 aussi, qui est assez long aussi. Et le circuit sauterelle qui est atroce, que vous allez bientôt voir. Mon Dieu. Donc voilà, comme vous voyez, c'est quand même assez hard. Ce passage-là est assez hard, mais bon... Avec un peu d'entraînement, ça peut aller. Même là, j'ai réussi du premier coup, ce passage-là. Par contre, pour le passage 2, j'ai pas réussi du premier coup. J'ai au moins recommencé 7 fois. Mais je suis un fou. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai pas de médaille. C'est la classe à la Oliver Plasma. J'allais dire Fireflav. Mais c'est vrai, oui, Fireflav est une skill de merde. Donc voilà, maintenant, je vais à droite. Et voilà, là, c'est repris du circuit tube. Circuit énorme, voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Mon meilleur circuit, là, ce fail. Mon meilleur circuit, bien sûr, là il ressemble pas trop à mon circuit tube, c'est juste parce qu'il y a des tubes, mais voilà. Bien sûr, le level design est totalement différent. Et non, en même temps, heureusement, hein, j'ai envie de dire. De toute façon, je vais faire que des circuits qui ne ressemblent pas aux autres. Hein. Celui-là, c'est un peu le seul qui va ressembler à circuit tube et au circuit... Et à l'autre circuit. Je ne sais plus de qui c'était. C'était Montagne Russe. Donc voilà, maintenant, le magnifique ralenti. C'est si majestueux de voir cette vue à la première personne. Surtout dans un tube. Voilà, il y a beaucoup de hamsters dans ce tube. Ah, il n'y en a aucun en fait. Voilà une magnifique vue d'ensemble. Ah, c'est si beau les montages quand même. Si majestueux, si beau, si féerique. Et aussi si triché. C'est les tricheurs qui font ça. J'en suis un. Mais bon, c'est pas grave. Allez, sur ce, je vous dis à la voyure pour de nouvelles aventures. Et on se retrouve pour l'épisode 8.